Parfois, il y a certains moments où notre vie bascule sans que l'on sache pourquoi. Ça va? Ouais, toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais après? J'ai cours. Ah, de quoi? D'histoire. Et alors, tu vas à l'abri après? Ouais, après, on va voir en fonction du nombre de bénévoles qu'il y a. On va faire de l'électricité, de la maçonnerie, peut-être du déboisage comme il fait beau. Donc, la fin du XIXe siècle se présente sous l'augure du mysticisme, généralement en réaction aux pensées positivistes et aux avancées scientifiques qui ont lieu dans cette période. C'est aussi la période des pseudo-génies, mystiques et autres gourous qui font passer ceux des années 60 pour de simples amateurs. L'exemple typique, bien que n'étant pas du XIXe siècle, est le célèbre Rasputin. Néanmoins, il y a certains cas particuliers qui tiennent plus de la légende que de véritablement la science. Monsieur Schumer. Oui, que puis-je pour vous, mademoiselle Augustin? J'aurais une question à vous poser. Mais en fait, est-ce qu'un de vos génies pourrait faire des bijoux, un truc comme ça? Bien sûr, s'il était orfèvre. Pourquoi cette question? Bah, en fait, pour savoir... Pour savoir quoi? Je me demandais si un bracelet pouvait faire des éclairs. Mademoiselle Augustin, on n'est pas dans un roman de Tolkien, là. Vous avez mieux à faire. Vous avez vos partiels à la fin du semestre.
Passez une belle journée. Mademoiselle Agostin. Monsieur Chemin. C'est le bracelet? Oui. Je peux le voir? Effectivement, 19e siècle, la moitié tout au moins, voire la fin. Oui, c'est le dessin. C'est... Typiquement post-romantique, oui. Voilà, c'est romantique. Oui. C'est celui-là qui a les pouvoirs? Non, c'était une supposition, c'est pas... N'oubliez pas, vous allez vous partir à la fin du semestre. Excuse-moi pour tout à l'heure. Ah, c'est pas... Voilà. Ouais, ça devait être moi. Saleté de bracelet. Pourquoi je suis tombée dessus ?